Bonjour et bienvenue chers amis Balance pour la nouvelle série que nous allons initier cette année, guidance du tarot pour l'hiver 2022. On va faire cette guidance pour chaque saison. Donc on va commencer tout de suite par voir quelle est l'énergie qui va vous accompagner pour cette période. Vous avez ce beau roi de deniers. Donc une belle prospérité matérielle. Une maîtrise matérielle. C'est de l'abondance ici qu'on retrouve. À travers ce roi de denier, comme vous le savez, c'est une énergie très terre à terre, hein, très terrienne, puisque vous voyez son emblème, c'est le taureau. Donc, il y a une belle prospérité qui vient vers vous, de l'abondance matérielle, financière, mais ça va venir lentement. Hein, c'est pas quelque chose, c'est pas, vous n'avez pas gagné au loto. J'espère bien que oui, mais c'est pas un gain, vous voyez, immédiat, quelque chose qui arrive. C'est quelque chose qui va se construire sur le long terme. C'est quelque chose qui va se construire progressivement. Donc il y a une belle abondance, une belle prospérité qui se dirige vers vous, qui arrive vers vous, mais avec la lenteur et évidemment des deniers. Donc c'est quelque chose qui va se construire progressivement. Progressivement, donc de l'abondance qui se construit progressivement et qui arrive vers vous, d'une belle abondance financière et matérielle ici s'annonce pour vous. Au niveau intellectuel, vous avez le 10 de denier. Et bien décidément, vous êtes dans les deniers. Donc vous êtes dans la recherche, votre esprit aura besoin vraiment d'avoir une harmonie. Il faudrait harmoniser votre mental, il faudrait harmoniser vos pensées, vos idées, trouver le juste équilibre. En fait, ça va vous demander de remettre les choses à leur place, vos émotions, vos pensées, votre créativité. On sent que votre esprit va vraiment essayer de trouver comment justement atteindre cette prospérité financière. Vous allez avoir envie de réussite, vraiment, hein. Ce sera très clair dans votre tête, vous allez avoir une envie de réussite matérielle, de réussite financière, vous allez avoir envie d'atteindre un bonheur matériel, vraiment ça va vous demander de réfléchir sur la stratégie à avoir pour réussir financièrement et matériellement. Votre mental ici va chercher des solutions, de l'harmonie pour atteindre la prospérité et l'abondance matérielle et financière. Au niveau sentimental, au niveau affectif, vous avez l'impératrice. C'est une très belle énergie. Il y a quelque chose ici qui se profile à l'horizon, donc c'est pas encore là. Émotionnellement, il y a quelque chose qui n'est pas encore là, c'est pas encore présent totalement, c'est en gestation. C'est en gestation, donc c'est quelque chose qui va vraiment être très abondant. Hein. Vous avez vraiment cette idée d'abondance ici. Il y aura une abondance ici, émotionnelle, sentimentale, affective pour vous, au sens large du terme. Ce n'est pas qu'une relation de couple ici. Mais je crois qu'il y a quelque chose qui se prépare ici, vraiment qui se prépare et qui va vous apporter une belle confiance en vous, qui va vous apporter une belle prospérité, hein, vraiment une belle prospérité émotionnelle, affective et qui va être source de créativité, qui va être source de création, de créativité au service de votre prospérité. Vraiment, tout tourne autour de cette notion de prospérité et abondance, que ce soit au plan matériel ou que ce soit au plan affectif. Alors, qu'avons-nous au plan matériel, justement, dans la vie de tous les jours? Waouh, magnifique! Dans la vie de tous les jours, le soleil. Non, mais vraiment, chers amis Balance, là, vous êtes pour. Vous êtes vernis, hein, vraiment vernis. Parce que dans la vie de tous les jours, vous avez le soleil. Donc, tout va bien. Tout va bien. Tout s'organise comme vous le souhaitez. Tout se met en place comme vous le souhaitez. Les activités que vous menez, ça vous permet de retrouver de la légèreté, de la liberté, de la... ce que vous mettez en place tous les jours, ça vous permet d'avoir des éléments de compréhension, ça va vous permettre de comprendre des choses et ça va vous permettre surtout de vous libérer de beaucoup de choses et ça va vous permettre d'avancer avec confiance. Là, vous allez avancer avec beaucoup, beaucoup de confiance dans la vie et quotidienne, dans la vie de tous les jours parce que les choses, je crois, vont venir à vous sans que vous vous attendiez.
Elles vont venir à vous sans que vous fassiez trop d'efforts. J'ai l'impression que les choses vont vraiment se dérouler comme vous le souhaitez. Et regardez, dans votre créativité, vous avez la roue de la fortune. La roue de la fortune nous dit quoi? C'est la vie qui vous apporte la créativité. C'est la vie qui vous apporte, par ses imprévus, par ces nouveautés qu'elle va vous mettre sur votre chemin. En fait, ça va vous libérer, ça va vous apporter de très très belles choses, ça va vous permettre vraiment d'être dans l'abondance, dans la prospérité matérielle, affective, intellectuelle. Voilà, c'est parfait. Je ne vois pas ce qu'on pourrait demander de plus vraiment ici, parce que la vie va vous aider ici à retrouver la force, à renaître à vous-même, en fait, matériellement, affectivement. On sent une prospérité, un épanouissement ici pour vous sur tous les plans. L'épanouissement, il est sur tous les plans, parce que là, vous avez vraiment quelque chose qui va se transformer, que la vie va transformer, qui va vous apporter que de belles choses, qui va vous apporter que ce que. Concrètement, matériellement, c'est vraiment quelque chose concrètement, matériellement ici qui va se présenter à vous et qui va vous donner mais une joie de vivre, une joie de vivre, mais aussi de l'abondance émotionnelle, de l'abondance matérielle, de l'abondance financière. Alors justement, on va recouvrir pour essayer de comprendre ce qui se passe ici un peu plus. Alors, qu'est-ce que nous avons sur ce voilà, roi de denier. On a à nouveau le roi de denier, doublement le roi de denier. Donc, prospérité matérielle, prospérité émotionnelle, prospérité intellectuelle. Vraiment, vous allez vous épanouir et il y aura de très, 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 très belles choses pour vous, chers amis Balance. Vraiment, c'est incroyable toute cette richesse, hein. Il y a la richesse là, sur tous les plans. La richesse sur tous les plans. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Vous voyez ici, au plan mental, c'est garder l'espoir. Garder l'espoir sur cette prospérité, sur cet épanouissement, sur cette harmonie matérielle, sur cette beauté. Donc, il faut vraiment que dans votre tête, vous ayez confiance. Ayez confiance, les choses viennent à vous, les choses très riches, très épanouissantes pour vous. Donc, cette étoile nous indique que même la vie va vous aider, la vie va vous guider vers cette prospérité. La vie va vous guider vers la richesse et la prospérité, chers amis Balance. J'aurais bien aimé être Balance sur ce tirage-là. Et vous voyez cette abondance. Au niveau affectif, il y a un engagement sur le long terme ici, hein. Puisqu'on a le 5, c'est-à-dire ce pape, avec l'impératrice et le pape, en fait, votre créativité, dans le monde affectif, il y a quelque chose qui va se concrétiser, qui va se concrétiser sur le long terme. Alors, j'aime pas trop parler d'événements, mais je vais quand même le dire. Là, on sent que c'est quelqu'un qui se met en couple, c'est quelqu'un qui met en place un projet qui compte énormément pour lui et un projet qui va aller sur le long terme. C'est vraiment quelque chose qui va prospérer longuement et durablement. Voilà, c'est une prospérité durable que vous allez avoir ici, une solidité, mais extraordinaire. Extraordinaire, la solidité matérielle et affective que vous avez ici. Au plan de la vie quotidienne, vous avez ce 9 de bâton. Ici, je dois l'interpréter de la manière suivante. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. C'est vous construisez dans votre vie de tous les jours une liberté, une libération. Cette prospérité qui vient à vous, cette richesse qui vient vers vous, en fait, va ni plus ni moins vous permettre de vous sécuriser. Vous allez sécuriser votre liberté, votre joie de vivre grâce à cette prospérité et ça de manière quotidienne. Ce sera quelque chose qui va se passer dans le quotidien. Vous voyez, vous avez l'empereur, l'empereur. La vie, en fait, va vous apporter des événements, des situations qui vont vous conduire à une stabilité dans votre royaume. Vous allez avoir une telle confiance en vous, une telle capacité créatrice qu'il n'y a rien qui va vous effrayer. Tout vous sera possible. Vous allez pouvoir gouverner les choses d'une main de maître.
vraiment d'une main de maître, les choses où il y a une abondance, une magnifique abondance, en fait, qui n'est peut-être pas encore tout à fait claire là, tout de suite, immédiatement, au début de la période, mais à la fin de la période, les choses semblent aller vraiment, vraiment pour le meilleur pour vous, et ça vous permet de sortir peut-être d'un sentiment de solitude, de misère, de voilà, peut-être que vous aviez l'impression que il n'y avait pas grand-chose qui allait pour vous, mais là je vous dis, sur cette période, sur cet hiver 2022, il y a des choses qui se débloquent, il y a des choses qui matériellement se débloquent, et donc vous allez vers beaucoup plus de richesse et beaucoup plus de prospérité, chers amis Balance. Je vous dis merci, merci de votre visite, et à très très bientôt pour d'autres tirages.